Les gonzes, bonjour à tous. Aujourd'hui, petit sujet qui au départ me semblait être un truc tout contoufun, mais qui au fil des recherches est devenu une véritable obsession. J'ai découvert une boîte de Pandore et pas un Pandora parce que j'aime pas ça, enfin bon, bref. Je sais pas si vous avez remarqué, mais les vitesses moto elles sont trop cheloues, genre on dirait elles ont voulu nous embrouiller le cerveau quoi. Non, je suis vraiment pas fait pour les stand-up, ça va pas. Est-ce que vous vous êtes déjà demandé pourquoi les vitesses des motos se passaient comme ça? Pourquoi est-ce qu'ils ont collé le neutre, point mort, c'est mort, entre la première et la deuxième vitesse? Pourquoi il faut d'abord baisser les pieds pour passer la première et après lever le pied pour toutes les vitesses? Bah moi je me suis posé la question. Ouais, bon je sais, j'ai vraiment du temps à perdre, mais bon, je m'en fous, je suis au chôme. En fait, c'était l'une de mes principales craintes au permis. Comment est-ce que tu peux choper les rapports au pied tout en maintenant l'embrayage à la main alors qu'on a tous été conditionnés pour passer les rapports à la main tout en maintenant l'embrayage bah avec ton pied. D'ailleurs, en fait, ouais, je viens de le découvrir, mais c'est l'inverse. C'est trop chelou, non? Alors certes, aujourd'hui, le geste est devenu naturel, mais je voulais juste partager en vidéo mes petites recherches, rien que pour vous. Et j'espère que ça vous plaira, et si c'est le cas, eh ben, n'hésitez pas à appuyer sur le bouton de l'abonnage pour YouTube, de mettre la cloche et de rien louper, hein, surtout. Et n'oubliez pas aussi, @valoutre et @valoutre aussi, sur Twitter, sur Instagram, enfin bon, bref, à chaque fois, je répète la même chose, tant pis. Bon, bah, let's go, hein, on y va. Allez, installez-vous et prenez un calmant, parce que ça risque d'être un sujet très, très, très chiant. Bon, je ne vous apprends rien, une grande partie des motos actuelles est équipée d'une boîte de vitesse, qu'elle soit d'ailleurs automatique, hein, comme les systèmes DCT, ou manuelle, comme le reste des motos. On parlera donc pas des variateurs des scooters, du HFT qu'on réserve à une autre vidéo. Bref, boîte de vitesse manuelle classique, avec pour fonctionnement, embrayage, main gauche en débrayant, pied gauche, et ensuite on actionne le sélecteur de vitesse qui fait lui-même tourner un barillet de sélection qui décale des pignons sur leur axe de manière à changer les rapports. On va s'arrêter là pour l'explication technique, parce que sinon on aura parlé de démultiplication, de fourchette, de crabeau. Alors non, pas le Pokémon, enfin. Ce système de boîte qui équipe 97% des motos du marché est appelé une boîte séquentielle. À l'instar d'une voiture où tu peux passer de la première à la troisième, de la deuxième à la cinquième ou de n'importe quelle vitesse à n'importe quelle vitesse, une boîte séquentielle de moto ne peut pas passer plusieurs rapports à la fois. Tu es obligé de passer un rapport à la fois. Par exemple, pour aller de la première à la quatrième vitesse, il faudra forcément passer la première, puis la deuxième, puis la troisième, puis la quatrième, en répétant le processus cité plus tôt, à savoir le levier d'embrayage, débrayage, coup de botte sur le sélecteur. Jusque là, si t'es motard, je t'apprends rien, sauf si tu roules sur une Honda DCT, une moto à shifter, une moto à boîte robotisée ou un scooter, une voiture, et là, du coup, eh ben je peux t'apprendre un truc. On en apprendra toujours avec tonton Loutre, hein. ça mérite un like, hein. Putain la pute. Pour une moto normale, une boîte classique est composée de 5 rapports et un axe neutre qui ne correspond à aucune des multiplications et qui permet, hein, grosso modo, de ne pas bénéficier de frein moteur, de ne pas accélérer et surtout de ne pas caler en démarrant la moto sans avoir à actionner le levier d'embrayage. Parce que oui, forcément, si tu démarres ta moto en première sans actionner le levier, ben tu vas, par chance, soit caler, avec un peu moins de chance, un peu avancer et être surpris, et avec la grosse chkoumouine à tonton Loutre, eh ben avoir l'effet domino. Ta moto fait un à-coup, elle avance, boum, tu fais tomber ta moto, et en plus de tout ça, eh ben elle cale, donc faut que tu relèves la moto. Et t'as honte, hein? Mais t'inquiète pas, ça arrive à tout le monde. C'est d'ailleurs pour ça qu'entre autres, ils ont équipé les motos de béquilles avec un détecteur de neutre, qui permet justement de démarrer la moto uniquement sur le neutre, ou encore mieux pour les modèles les plus récents, démarrer obligatoirement si t'as le levier d'embrayage débrayé, ou le neutre, ou les deux. Comme ça, ben, t'as plus de crainte. Et d'ailleurs, les camions ont également une marche arrière. On pense à toi, la Gullwing, aussi à toi, la KC100, très gros V, les camping-cars. Alors du coup, situation normale, tu démarres en neutre et tu dois descendre ton pied pour passer en première, boum. Donc tu claques un coup de pied, puis après tu montes. Deuxième, troisième, quatrième, cinquième. C'est ce qu'on appelle du coup la config 1 en bas et 4 en haut pour une boîte à 5 rapports et 1 en bas, 5 en haut pour une boîte 6 vitesses. Un coup de pied vers le bas pour faire la première et après ben, tu montes ton pied jusqu'à faire les rapports suivants. Bon après tu peux pas monter non plus. Bon par contre ça nous dit toujours pas pourquoi la neutre entre le premier et le deuxième rapport. T'inquiète Michel, hein, on y vient, t'inquiète pas. Déjà, pourquoi est-ce qu'on descend un rapport et on monte ensuite pour les autres? Bah en fait, on sait pas trop. Mais bon, selon certains experts de la boîte à vitesse, à savoir mon oncle, mon frère et mon cousin que j'ai pas vu depuis 4 ans, tu enclenches ton premier rapport tout en bas et après si tu veux monter un rapport, eh ben tu montes ton pied. Et après la suite devient logique, hein, tu montes un rapport, t'en descends un, puis tu comprends pourquoi la première est tout en bas, parce que tu descends un rapport pour aller de 5, 4, 3, donc tu descends avec ton pied, et tu montes si tu veux monter un rapport, donc 1, 2, 3, bref, t'as compris. Okay. Certains disent même d'ailleurs que c'est assez instinctif de faire comme ça dans le sens où quand on accélère, eh ben on recule sur la moto, donc la masse est transférée vers l'arrière et donc on est plus tenté de tirer des rapports vers le haut. Et inversement, quand on freine, le poids est transféré vers l'avant, on fait tomber le pied. Après ça c'est de la pure spéculation de comptoir PMU, café des sports, voilà, donc bon, c'est un peu du bullshit. Il y a d'ailleurs des motos où ce système est complètement inversé, notamment l'exemple le plus frappant, eh ben c'est les motos de piste. Alors pas toutes, mais beaucoup ont la boîte inversée, à savoir pied vers le bas pour monter un rapport et inversement pour baisser un rapport. La raison à cela serait que ce serait plus facile de changer les rapports en accélérant en sortie de virage. Lorsque tu vois, tu penches ta moto tranquille et tu fais tout frotter, le genou, tout, il y a rarement de l'espace pour placer le pied
appuyer tout le levier de vitesse et donc s'invertir pour pouvoir le placer au-dessus et donc monter les rapports. Mais moi, j'en sais foutrement rien, j'ai jamais fait de piste. Par contre, j'ai déjà fait frotter toutes mes motos sur le sol. Maintenant qu'on sait ça et qu'on connaît les spécifications de la boîte de vitesse séquentielle, le sujet principal. Pourquoi il y a un neutre ? Ça par contre on le sait, c'est pour démarrer la moto sans qu'une vitesse soit enclenchée, donc il n'y a pas de démultiplication. Mais pourquoi du coup entre la première et la seconde ? Oh ta gueule ! Genre ils auraient pu faire N 1 2 3 4 5 ou j'en sais rien, mais un truc encore plus con genre 1 2 3 N 4 5. Bon là ça n'aurait aucun sens sur une boîte séquentielle, mais bon des fois tu sais, tonton il en a des idées à la con. Hein. Bah en fait quand on y pense, bah c'est d'une logique de fou. Et je vais vous expliquer parce que c'est une question de sécurité. Situation par l'absurde. Je conduis une moto avec l'ordre de vitesse suivant, N, 1, 2, 3, 4, 5. Donc je démarre en neutre, je monte pour le premier rapport et je monte ensuite pour les suivants, et je descends si besoin, etc. etc. Ça c'est la situation idéale où justement tu te dis bah t'as ton neutre tout en bas, puis après bah tu montes pour tes rapports. Vous êtes dans une route de montagne très sinueuse, genre ici. Voilà, entre Buée-la-Bruissière et Arras, route bien casse-couille. Non, non, bon, en vrai. Une vraie route de montagne avec des cols et tout, du dévers et du dénivelé. Avec un enchaînement de virages serrés, vous êtes souvent en seconde ou en troisième. Je présume. J'en sais rien, c'est un exemple, tu peux être en première, je m'en fous. Au loin, à 150 mètres, vous voyez une épingle. Ok, donc là, vous êtes en troisième avec 7 démultiplications, donc vous passez un rapport, vous le tombez avec aussi 7 démultiplications, puis en première avec un rapport, et là, eh ben, vous vous souvenez plus. Vous vous souvenez plus que vous êtes en première et vous pensez qu'il y a encore un rapport en dessous. Et là, vous passez au neutre. Donc là, clairement, en fait, vous êtes dans la giga merde. Parce que vous n'avez plus de démultiplication. Vous n'avez plus de frein moteur, plus d'emprise, plus rien. Votre moto est en roue libre complète. Et comme vous êtes en dévers avec une épingle, parce que quand t'as plus d'emprise, et ben la moto, elle accélère. En descente, en tout cas. En fait, ta première, c'est ta sécurité dans ce cas de figure quand tu décélères. On prend la même situation avec une boîte séquentielle classique. Donc 1, N, 2, 3, 4, 5. Tu sais forcément que tu pourras jamais passer en neutre, sauf de rares cas. Mais comme en général, le coup de pied est assez violent quand tu descends un rapport, et ben tu passes de ta seconde à ta première, sans passer le point mort, par inadvertance, et donc sans passer la moto en roue libre. Ta moto a encore son frein moteur, elle se comporte normalement. Et c'est pour ça, en fait, que t'as ton neutre entre ta première et ta seconde, c'est parce que tout en bas, il faut quelque chose. Donc il faut ta première. Alors certes, tu galéreras toujours à trouver ton point mort entre ta seconde et ta première, mais au moins, si tu te demandes pourquoi, eh ben tu te rappelleras de cette vidéo. Eh ben quel sujet, moi je me suis plutôt bien amusé. Non, c'est pas vrai. Et toi, c'est quoi ta plus grosse frayeur avec le neutre ? C'est une question nulle, mais bon, c'est pour les commentaires, t'as capté. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Si elle t'a plu, bah tu connais la chanson, un petit like, petit commentaire, petit partage. Et puis si tu veux participer financièrement à la chaîne, tu peux aussi faire un petit tour sur mon Tipeee, dont le lien est dans la description. D'ailleurs, merci à ceux qui ont financé cette vidéo et qui financent l'aventure Valoute, c'est extrêmement enrichissant. Extrêmement important pour moi et pour la chaîne. Alors merci à vous, du plus profond de mon petit cœur de ch'timi. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Valoutre. Ciao ! Au revoir !